Parce que l'on se dit souvent, lorsque l'on veut bosser avec des proches, qu'il faut prendre des gens que l'on connaît. Mais la véritable question devrait être la suivante. Sont-ce des gens qui te connaissent ? Par expérience personnelle, j'ai longtemps considéré qu'il suffisait de bien connaître une personne pour lui proposer de participer à une vidéo. De manière active, bien sûr. Je ne compte pas les gens qui font de la figuration ou que tu embauches pour jouer un rôle. Là, pour ce coup, tu peux te permettre de ne pas passer par cette étape. Mais au fond, les personnes avec qui tu vas travailler de manière active et intense doivent avant tout être des personnes qui te connaissent profondément, car tu devras compter sur ces personnes pour prendre du recul lorsqu'ils devront te dire quelque chose qui pourrait potentiellement te froisser ou te mettre dans un état qui ne serait pas le meilleur possible pour bien effectuer ta tâche, mais également qui sauront comprendre ta manière de travailler pour faire au mieux lorsqu'il s'agira de t'aider à aller de l'avant lorsque tu sentiras que tu es dans une impasse ou que tu ne sais pas complètement et parfaitement comment gérer ton temps. Parce qu'au fond, un ami ou un proche dans le cadre des vidéos ne doit pas simplement être là pour te remettre en cause et être franc au bon moment. Franchement, pour le coup, je sais parfaitement de quoi je parle. Puisqu'avant de trouver les bonnes personnes avec qui je travaille aujourd'hui, je me suis longtemps fié à cette idée que donc si je connaissais bien les gens, je saurais forcément faire la part entre les vidéos et l'amitié qui nous unit, ou qui nous unissait pour certains. Dans le genre, je pense profondément qu'il faut bien faire attention, dans le sens où parfois, il ne faut pas non plus placer des espoirs immenses ou incommensurables dans des personnes qui finiront peut-être par nous décevoir. Mais là, pour le coup, je pense qu'il faut peut-être encore plus être prudent pour ce qui est de la création sur YouTube, ou autre plateforme de création vidéo d'ailleurs. Car si tu ne fais pas attention à cela, tu risques fortement de te heurter à un violent mur, qui pourrait potentiellement t'empêcher par la suite de te reprendre et d'aller de l'avant en ce qui concerne la création, et surtout le renouvellement de ce cercle de proches qui peut devenir essentiel dans ton chemin de créateur. Il faut donc bien les connaître, mais également faire en sorte qu'ils te connaissent bien, pour faire en sorte qu'au bon moment, ils puissent faire la part des choses, tout comme toi. Certaines personnes pourraient te nuire, dans le sens où elle risque de mettre en avant une certaine franchise pour te dire que tu ne fais pas du bon travail. Ces personnes-là ne sont pas là pour te faire du bien, car si elles te connaissent, elles t'aideraient à trouver une solution et pas repointer du doigt les erreurs. Si une personne veut trop se mettre en avant par le biais de ton travail, c'est que potentiellement cette personne est toxique et qu'elle veut profiter de toi pour uniquement réussir à percer dans un endroit où elle n'a pas forcément une main mise. Et franchement, dans le genre, pareil, je sais de quoi je parle. Le meilleur conseil que je puisse te donner ici, c'est de prendre des gens qui apprécient ton travail pour t'aider, mais également des personnes qui savent comment ton travail peut aller encore plus loin que ce que tu avais prévu à la base dans ta tête. Dans le même registre, nous allons faire en sorte de comprendre comment faire en sorte que ces personnes puissent t'aider de la bonne manière, si elles le souhaitent bien sûr.